Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mercenary King, toujours en compagnie de DMX. Aya. Aya, il parle doucement, Aya. Bah ouais, parce que y a le frère jumeau qui demande. D'accord. Bon. On va exterminer du mandrake. On va pas t'entendre très fort dans la vidéo dans ce cas-là. C'est pas grave. Peut-être même ne pas t'entendre. Alors il y en a un ici. Je suis sûr on pouvait l'avoir sans rentrer dans la zone. Sûr. On va se séparer hein. Je vais à gauche. Ah merde, j'ai plus mes balles. Ah merde. Contact, il fait quand même mal, hein. Alors, juste là. Là-haut. Désolé si vous m'entendez spammer ma manette, mais bon, c'est le boss à faire comme ça. Bah, normalement il reste un de ton côté. Un ou deux. J'arrive. Là. Ah il en manque deux. Ah ouais d'accord, t'as pas fait les deux de ton côté. Non. T'as trouvé les canons. C'est pas grave ça. On s'en fout clairement. En passant je les ai pas vus donc. Je vais aller avancer l'autre. Et non. Ça, ça te fait une de ces entorses. Moi je m'occupe du dernier. Oh, il est là-bas, d'accord.
assez rapide. Hein. J'ai mal à la main. Ah, c'est ça les canons bouclier. Merde, j'ai passé trop vite, c'est pas grave. Gang, ceci vient d'apparaître sur l'omnicommunicateur, vous n'allez pas y croire. Kings, nous avons été créés par Baron pour la guerre. Nous nous sommes battus contre nos grès, contre notre grès. Nous ne voulons plus nous battre. Nous voulons libérer nos frères et sœurs, toujours dans les tuyaux de verre, dans les pièces métal. Nous ne voulons que faire partie de l'île, notre maison. Ce que Baron et Nile vous ont fait est impensable. Certains d'entre nous sont remplis de haine, vont continuer à se battre, mais les mandrakes sont du côté des kings. Vous avez notre parole, que vous serez tous libérés une fois que nous avons vaincu Nile. Les mandrakes vous remercient. The fuck. Non, fallait faire une voix de Gollum, mec. Les mandrakes vous remercient. Comme ça. Les mandrakes vous remercient. J'aurais jamais mon phaser dans l'équipe. Capturer Buzzard Infernal. Un Buzzard d'acier a été reconstruit. Nous croyons qu'il bombardera la jungle pour nous avoir. C'est de la capture, ça fait chier. C'est de la capture, ça fait chier. Je prends de l'adrénaline et des grenades choc, tu prends les premiers soins. Et des rations. Je prends les rations, attends. Bah dans ce cas-là, tu peux retirer camaraderie et mettre quelque chose d'autre. Si t'as pas de kit de soins, ça sert à rien. Ouais. Patrouille, t'as pris 3 grenades ? Ouais, j'en ai pris 3. Ok. Il reste 2, 4, 6, 7, 7 missions. Donc, si on n'a pas de nouvelles, il reste 7 missions. En avant. Le buzzard infernal. Il doit avoir 300 000 de vie, un truc comme ça. Capturer un avion, j'explique. Tu l'incapacites avec un IEM. Ah bah merde, il est de l'autre côté. Genre à gauche. Ouais. Fais gaffe. Chut. Chaque fois je me fais avoir sur. J'arrive, attends-moi. Ça va commencer sans moi, d'accord. Bah 200 000 PV. Grand chose. Bah il a 200 000. Ça va être rapide. Le Pokémon Drake en avait presque autant. Faut le capturer, faut pas. Elles se détruisent pas, c'est bon. Ouais. Non. Il va tomber par terre. Non, même pas. Ah ouais, c'est pas bon, c'est vrai. Il reste la moitié de sa vie. Là, on est en train de le toucher. Hein. C'est pour ça qu'on tire comme ça. Ça va être bon. Ok, il faut qu'il tombe. Enfin, quand il sera au sol de... Voilà. Alors Baron, on est où? On est mort. Une minute 40. Deux réacteurs. Capsule d'acier. Oh man, c'est dommage d'avoir eu à détruire le bizarre. Détruit, il était tellement cool.
très dangereux, mais c'est triste de voir un design de la mort se faire écrabouiller. Au moins vous l'avez détruit avec une création originale de Lawless. Waouh, j'ai vraiment bâti beaucoup de trucs cool dans cette mission. J'ai fait des trucs dont je rêvais depuis des années. J'aurai toujours de bons souvenirs de ce moment où j'ai bâti des armées de super puissantes. Des armes super puissantes pour détruire la plus grande menace à la planète. La plus grande menace à la planète? La fuck. Excusez-moi, je deviens émotif dans mon vieil âge. J'ai quasiment 22 ans. C'est vrai que t'es vieille. Tellement. J'ai presque ton âge, c'est vrai que t'es vieille. C'était voilà. Pas comme ça dans le temps. Dans le temps, on jouait avec un bâton et... et un pneu. Un petit peu le temps. Éviter la zone d'ennemis. Dans le temps, on a besoin de ces quatre, non? Ouais. On aura besoin aussi du C4, je crois. Ok, j'enlève l'adrénaline. On aura plus besoin d'adrénaline maintenant, nous. On est pas des tapettes. Par contre, tu mets pas camaraderie? Si, si. Un petit peu fatigué, là. Prends un café. J'aime pas le café. Prends un coca. J'aime bien le coca, mais j'en ai pas. T'as tout l'idée hier. Je suis un peu fatigué, c'est tout. Ça va passer. Là, j'ai allumé mon ventilo, désolé si vous l'entendez. Normalement, vous devrez pas l'entendre. J'entends pas, donc ça devrait aller. Par contre, là, tu viens de m'entendre ma chaise. Avec le guano. Oh putain. Le guano. Quelle zone? Oh 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 oh, t'as vu la zone? Et t'as vu qu'il y a un boss? Ça, c'est rien. Ça, je m'en carre. C'est la zone qui me fait plus peur, en fait. Je vais m'occuper du boss. Hein. On s'occupe du boss. C'était un ressort. What? Bon, passe par tout en bas si tu veux, moi je passe par là. Hein. En fait, moi je suis tombé. Ben, moi j'y suis déjà. Hein. Allez, ça. Oh la pute. Je vais prendre un kit de soins que je sais pas c'est qui. Là, la difficulté, elle revient, quoi. Bah du coup, je vais voir au chaudron. Ah, de nouveaux ennemis dans la zone. 57 000 à tuer, putain. C'est l'horreur, quoi. Alors, je dis ça, mais je les destroy, donc... Heureusement j'ai pris mon C4. Donc la zone ici, clear. Je vais m'occuper du boss tout de suite. Ça va, c'est juste un Titan Trooper, je m'en occupe. Ok. Il est pas difficile ça. Bientôt mort. Titan Trooper, c'est méga facile à tuer en fait. Je suis tellement en train de le brin. Bon, il est mort. Je m'occupe de la partie gauche, tu t'occupes de la partie droite? Ouais.
gêne un peu. Il faudra du C4 encore. Port par port, ça. Tant mieux que ça ne pop pas les ennemis. Par contre, je sais. Ah non, les guano, non, ils comptaient pas, c'est vrai. La zone. Oh merde, il y a des mécamouches. Ouais ouais, mais c'est pas difficile à tuer moi. Enfin moi franchement je les défonce. Il y a des bisbis. Ou diamant. Je t'ai pas donné la zone la plus facile. C'est plus qu'un kit de soins. Ok. Merde, je viens de l'utiliser comme un coup. J'ai plus de kit de soins. Moi non plus. Et on peut plus dépendre avec transmetteur. Hein. Parce que là, je viens de tout utiliser. What? Quoi? What? C'est quoi ce otage? Anne. Tu peux genre prendre du C4 et m'ouvrir la porte là pour que j'aille voir. J'arrive. Enfin, je vais m'occuper de cette porte, toi va. Non mais moi je suis bloqué. Tu peux pas aller ailleurs? Non. D'accord, bah j'arrive, je vais chercher le C4. Il est loin. Hein. C'est pas grave, j'ai tout mon temps. Les viewers aussi. Ouais, de toute façon c'est moi qui vais le chercher donc. Et en fait, il y avait un otage, Anne, et elle dit quelle belle planète, j'aimerais que numéro 25 la voie. C'est un nouvel otage spécial. C'est un robot avec un cœur sur la tête. C'est un bisounours. J'arrive. Aucun ennemi quoi, c'est galère. Ah t'es tout en bas, d'accord. En dessous. J'essaie. Et y a plus d'ennemis, y a pas des mouches qui ont disparu, t'es sûr? Il doit y en avoir une. Je vais y aller dans ce cas-là. Celle qui est tout au début de la... de mon jeu. Oh,
y en a une là, ouais. Oh, j'ai un gène un peu infirmerie. Je viens de buter un porteur. Enfin, un mini porteur, tu sais les. Oh. Faut juste s'occuper de la zone du milieu, les deux zones supérieures au-dessus. Et c'est bon. C'est la fin. On devrait avoir le chrono normalement. Odeur. Wow. Ouais. Ouais, tu l'as vu. La phase. Tu lui parles et regarde ce qu'il dit. Je sais pas si c'est un clin d'œil à un autre jeu. C'est un clin d'œil à Tribute Game. Je vois pas pourquoi tu dis ça, c'est pas du tout un cœur le symbole de Tribute Game. Les escargots de merde. Que c'est une... 5. 4. 3. Un AV. Oh bah tu les as tous. J'ai snipé les navets. Moi je veux prendre le C4, allez le C4, 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 C4. Ah j'ai pas le temps. Si j'ai le temps. Ça va, on est dans les temps. Putain je suis à 99 000 et quelques. Le peuple du temple est... du temple est enfin libre des crottes de Claw. Ça a toujours été louche pour moi, non? On dirait que l'île était bien mieux avant que tous les trucs que la compagnie a bâti dessus. Et là, toutes les dames du temple peuvent reprendre leur arche. Elles vont me montrer leur technique de forge et des visages. Faut toujours vouloir apprendre de nouveaux trucs dans le monde de la coutellerie. C'est tellement cool d'avoir un boulot qu'on aime. On combat des malfrats et on apprend comment faire des nouveaux couteaux. Quelle aventure! Ça avait un double sens qu'il a dit. Pourquoi des dames et pas des messieurs, hein? Pas d'abord. Pourquoi des dames? Parce que t'as vu d'autres trucs que des meufs Amazon dans ce temple? Bah oui. Moi j'en ai vu d'autres, hein. J'ai vu des mecs. Enfin des mecs de Claw. Des vaillants landskin. Allez, vieux camarade, capturer Prime Soldier. Ah, encore les Prime Soldier. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui les prends. Ok. Bon, je les ai. Bon, alors, par contre, je sais pas, ça va être lequel des Prime Soldiers. Un nouveau, tous, peut-être. Tous. On en capturer un. Non, on doit... Prime Soldiers. Ah, merde. On doit en capturer 3. My god, elle va être chaude, celle-là. On doit se capturer Majestic, Royal et Raja. On va partir sur la gauche en premier. C'est par là. C'est pas si. Non. Bah, si. Non. Ah ouais, ouais non mais pardon, excuse-moi. J'ai dit la même. Ma faute. Ghostbusters. D'où ils ont du phosphore sur eux quoi, c'est n'importe quoi. Bah ils sont luminescents. Oh, bon, luminescents hein. C'était la réponse inutile. Fou des loots d'ici, ils sont nuls. Ils sont pourris. Passage. Non. Allez. Alors c'est qui? C'est Royal. Ça va aller les gars.
Il serait pas en rouge. Ah si. C'est bon. Comment je l'ai. T'inquiète pas, on va te sauver. Là on passe pour le chemin habituel pour aller au Byland King. Ouais, et sur le chemin justement il y a... Il y a une infirmerie. De ce côté-là ? Oui. Putain, navet de merde. Parce qu'en fait... Bah voilà. Merci. Passe devant. Pourquoi je passerai devant ? J'ai pas de réel à vivre. J'ai pas de vie. Ah c'est bon. On régénère un peu. Ah on fait t'as un kit de soin ou pas? Oh c'est bon. Merde. Attends toi. J'arrive hein. Ok. C'est Majestic. Vas-y. Prends une grenade shot, on sait jamais. Ouais je peux pas putain. Si je route, si je loupe ma grenade shot, c'est mort. Moi je me téléporte. Plus rapide. Faut juste pas que je loupe ma grenade shot. J'ai encore deux kits de soins. Prof. Faut pas le tuer, faut pas le tuer. Non, celui qui aurait été le plus chaud à ne pas tuer, c'était Majestic. Parce que lui, il est en rouge. C'est bon. Nice. Fallait pas que je me foire. Donc j'ai attendu le bon moment. Mes vieux amis. Espérons qu'on les a débloqués, mais ça m'étonnerait complètement. Titan plus, Napalmotron, alliage impérial, pierre royale. Électroniseur moi. Merci d'avoir ramené les Prime Soldiers chez moi. Finalement, du monde qui vient me visiter. Ils ont l'air très effrayants et épuisés. Mais sinon c'est bon. Erlenmeyer, les grenades choc ont déréglé leur implant contre l'eau cortexien. Pensons que c'est possible de les soigner des biomodifs extrêmes que Dr. Nile leur a greffés. Je croyais que ce serait le boulot de Bluebell. Où est-elle? Elle a disparu du camp. Sauf qu'on l'a pas fait dans le bon sens. Oui, nous sommes à sa recherche. Oh, eh bien, lorsqu'elle reviendra, elle peut venir me rendre visite. Pour l'instant, je dois venir à mes... Je dois voir mes invités. Ouais, oui, vraiment recevoir de la visite. Ah, mais sauf qu'on l'a pas fait dans le bon sens. L'émission on l'a pas fait dans le bon sens. Fait que la logique. On est censé en bas poubelle, elle est où? Mais elle a disparu du camp? Bah non je suis là, qu'est-ce que tu racontes? La poursuite. Hein. Éliminer éclaireur. Alors là. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
éliminer éclaireur, maîtriser deux transports. En gros, un éclaireur, c'est un gars, il nous a scout et il nous a trouvé. Je sais. Mais je vois pas le principe en fait. Le principe, il est tout en haut. Et merde. Et... C'est bon, je peux y arriver rapidement. J'aurais besoin. Ouais, faudra du C4 par contre. On aura besoin de C4 pour y aller. T'es sûr que c'est lui? Ah non, ça c'est les transmetteurs. Il est où alors? Faut qu'on détruise les transmetteurs et ensuite on a lui. Pourquoi ça? Un kit de soins. C'est tellement chaud. Donc en fait c'est ici où on a besoin. What? C'est quoi ça? C'est quoi quoi? Je sais pas, il y avait un truc qui était porté par un statue. J'utiliserai mon dernier kit de soins. Mais où est-ce qu'il est? Mais tu vas trouver l'éclairage du temps. A tous les coups, il va être dans les cryptes. Je prends ceux d'en haut à gauche, tu prends ceux d'en haut à droite. Ah, et bien sûr, c'est moi qui me tape les escargots de merde là. J'ai pas calculé ça, non. Juste pour dire. Ouais, non, mais j'aime pas ces escargots. Oui, non, mais c'est juste prévenir que c'était pas dans le ouais, je sais. But de te faire subir la. Sinon, tu serais machiavélique. Je le suis un peu, mais pas à ce point. C'est bon, j'ai d'être. Je suis à côté du. Ah, bah, il est là. Ok. Merde. T'as pas le temps. Si j'aurai le temps. Attends. Merde. Juste quand je passe la porte. En fait, j'étais juste derrière le mien. Cet éclaireur n'avait aucune chance de s'échapper. Je veux dire, oui, vous l'avez eu en premier, mais j'attendais à la fin du chemin. Dans mon déguisement de statue. C'est pas rendu. Jusqu'à moi, sinon je l'aurais eu. Pas de problème. Bien joué, si j'avais un vrai chapeau non costumé, je le leverais à vous. Il paraît que les troupes de Klaus se désintègrent. Il y en a qui ne veulent plus se battre. On dirait qu'on gagne. Que nous gagnons, ouais. Vous, vous avez rien fait. Vous, vous êtes locumène. Tellement. À part Ironside. Et Tasker. Parce que Tasker il a un putain de magnum. Détruisez 4 contrôleurs météo. En fait je pense qu'on va finir le jeu dans cette vidéo. Ça va faire une vidéo un peu plus longue mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oh non, pas cette map. Pour la fin du jeu je voudrais utiliser une arme plutôt spéciale. Ouais, tribute. Non, pas le tribute. Les transmetteurs ils sont placés où? Alors 1... 3, il y en a 3. Ah non, 4. Et
juste ici. Je m'occupe de celui-là. Ok. J'espère que c'est pas des, Metal Wolf. Bon, ça va, c'est des grands porteurs. Les soldats, ouais. Genre, y'a du polymère qui se téléporte devant moi. J'ai pas compris le truc. Ok. Le truc, c'est qu'on est même pas obligé de se les fight, les boss. Je voulais faire. Oui. Après, si toi tu veux les faire ou pas, c'est que tu veux, ils ont 84 000 points de vie. Hein. C'est beaucoup. Bon, ça peut aller. Moi, ça va, c'est rapide, mais pour toi, je sais pas si t'as assez. C'est un boss moyen, quoi. Ouais, moyen. Il a plus de vie que la première forme de Valiant King. C'est un boss moyen. Alors, je vais bugger la musique. Ouais. Je sais pas ce que tu fais, mais. Bah, en fait, y a pas de limite, donc je peux rentrer et sortir quand je veux. Oh la pute. Alors, y'en a un qui est un peu mort. Retiens. Je rappelle que le mien il se trouve dans le. Comment s'appelle ? Ah non. J'ai cru qu'il se trouvait dans le labo. Non, non, il est pas dans Metal Wolf. Hein. C'est tellement la meuf la plus dure celle-là. Ah, un cri au soldat. On va se taper tous les types, je crois. Moi je dis fais le pas, ça sert à rien. Mais tu détruis juste le générateur. Mec, autant le faire parce que c'est une cible facile, mais genre méga facile. Tu te mets ici et t'es protégé. Ouais, par contre, lui il a 140 000 de vie donc non. Ok. Clairement, non, quoi. Ouais. Soit passé, bordel. Chier. On va aussi aller jouer le fetch, hein. Y'a plus de vie déjà. Tiens, un mini porteur. Enfin, un cryo porteur. C'est bon, il est mort. Cryogénérateur. Alors fais gaffe, il y a un cryoporteur juste à la porte de sortie du
du petit chemin que tu t'apprêtes à emprunter, ne passe pas la porte pour le moment. C'est bon, tu peux. D'ailleurs, il y a un truc, un tube catalyseur, enfin, genre. Voilà, le générateur. Tube réfrigérant. Autre côté. Ils sont chiants ces tanks, c'est les ennemis les plus chiants du jeu. Ouais. Utilise le couteau. Ouais, c'est vrai, j'oublie à chaque fois. Bon, après, on est à la fin du jeu, quoi. En fait, la seule attaque vraiment chiante, c'est quand il nous charge dessus. Alors lui, il va être easy à faire, il n'y a plus de vie. Il y a 38 500. Je m'occupe du mien, ouais. Easy à faire. Toi, c'est un quoi? C'est un toxique que t'as là, non? Je sais pas. Quelle couleur? Volt. Volt? D'accord, vert. Enfin, non, pas vert. Je sais plus. Jaune et gris. Ouais, je... C'est le... J'arrive. Rejoins. Tu l'as détruit, merde. Qu'on est dans l'écran. Heureusement qu'il y avait beaucoup de vie. Hein. Adamantite, silicone, polymère plus, retresseur plus, etc. Hey, je suis content au mois de Chops. Putain. Merci d'avoir éclairci le ciel pour nous. T'as crash? Ouais. Pour nous, gang. Qui veut inventer une machine qui fait de la mauvaise température? Ça gâche voler pour tout le monde. Je sais, Choppy, une bande de pavons. Désolé pour mon langage ordurier. Laissez-moi recharger Choppy et on part pour la prochaine mission. Je te ravite. Oui, mon jeu a complètement crashé. Je viens de le recevoir. Au pire, on la fera en vidéo quand on aura fini le jeu. Hein. Le truc on avait pas fait. Oui. J'avais oublié qu'il y avait des boucliers aussi. Il y a des objets qu'on a jamais pris quoi, les grenades et les boucliers. Il y a des boucliers? Ouais, il y a un bouclier dans les objets utilisables. Pour bloquer les projectiles ennemis. Je vais voir ça donne quoi. Ah ouais, nice. Un vrai bouclier, quoi. T'as reçu l'invite, là? Réinvite-moi. Je sais pas si vous voyez la... Enfin, Steam. Bonjour. J'ai un bouclier. Mon gars, j'ai un bouclier. Marrant. Voilà, moi c'est bon. Je vais finir le jeu.
reste une mission, trouver deux provisions. Claw a intercepté un convoi d'équipement, aider Golden Gate à renflouer ses stocks. Deux secondes. Après, je voudrais qu'on ferme des noeuds de fusion. Avant de faire la fin du jeu. Bah, ça va être chaud, hein. Il t'en faut 4 à des noyaux. Ah non, mais je veux pas faire du... Non, ça c'est les phaseurs qui me ouais, font. Mais... Mais c'est pas ce qui me faut, c'est pas ce que je veux faire. Tu veux faire quoi? Je veux faire un autre truc. Une arme? Ouais. Les provisions, ils sont où? Alors, il y en a une là-bas. La deuxième, elle est où? What? Y'en a qu'une? Okay. Les provisions, je crois qu'elles sont en fait au même endroit. Ouais, bizarre. C'est trop simple. Trop simple. Ça, bah, ça c'est pour... Ça c'est la mission pour Thibaut en fait. Ah et merde. On quitte la mission. Quoi? Non, c'est pas la mission pour Thibaut, c'est la mission pour Golden Gate. Ah oui. Pourquoi on quitte la mission? Parce que je vais prendre du C4. J'ai envie de me faire chier de faire le tour. Clairement, j'ai pas envie de me faire chier à faire le tour. Actuellement, là, je crois qu'on a fait toutes les... Enfin, il y a une mission qu'on n'a pas fait en temps étoile. Une seule. C'est la mission où sauver Miss Zero. Ils ont intérêt à être là-bas tous les deux. Alors on n'y arrive pas. Ta gueule. Merde. Par où qu'il faut passer. Bordel de merde. Ah, je peux pas soigner. Hein. Je suis vu que je suis full life. C'est obvious. Moi j'ai pris le coup. Oh les bâtards. Heureusement qu'il de pute. Heureusement qu'il y a un C4 juste à côté. Je vous déteste. Je sens qu'il y en a encore un. Je vais te dire ça. Non, c'est juste. Juste devant la porte en bas, je le sens. Oh non, c'est bon. Les deux sont là. Ouais. Voilà. Ils ont bien fait chier là sur le coup. L'accent qu'on faisait avec Golden Gate, c'était quoi? On n'avait pas d'accent avec Golden Gate, on n'a jamais eu de discussion avec Golden Gate, je crois. Si, si. Très rare, mais il y en a. Grâce à vous, le magasin est bien fourni, yay! J'ai assez de C4 pour propulser une fusée remplie de soldats Claw jusqu'à Mars. Je sais que les fusées ne marchent pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis tellement content de faire partie de l'équipe. Qui d'autre peut se vanter de contribuer à des missions secrètes qui sauvent le monde? Probablement personne parce que les missions sont secrètes. Mais merci de me laisser faire partie de l'équipe. Vous n'avez qu'à passer et je vais vous équiper. Nous
elle nous fait des remises, c'est ça? Ah, même pas. Radine va. Bah et comment elle fait ses stocks, tu crois? Je sais pas. Mais... Bah, avec notre argent. Dernière mission. Laquelle? Bah, dernière mission du jeu. Ah, on fait une petite ellipse. On va faire une. Bah, on va faire une petite ellipse. Allez, ellipse. Et donc nous voici pour la suite et la fin de Mercenary King. Donc on... il a pu un peu modifier son arme, donc on va éliminer le Dr. Nile. Vous êtes appelé au sanctuaire du Dr. Nile afin de témoigner de sa grandeur. Boum, boum. Sanctuaire. Non, j'ai oublié un truc. T'as oublié de prendre des soins. Ouais. Voilà. T'es sûr? Il y a des soins en arrière. Non, je déconne, y a rien. Oh. Oh. J'ai rien. Alors c'est ça qu'il veut dire par sang impur. C'est pas ça le sang impur encore. Non mais en gros il a absorbé tout ça. Ouais. Ok. Belle marche. Ouais, un sanctuaire. Là il y a Bluebell. C'est son fils. C'est sa femme. En gros c'est ça dans son esprit. Hein. Regarde derrière celui-là tout en haut le Mandrake. Vous serez témoin du futur de la race humaine, observez. T'as vu, je te l'avais dit. Ah non, c'est pas vraiment mon drag, c'est... What? Eh oh, eh. Eh, calmos. On se calme, Ken Bogart. Ken Masters. Sure you can. Première phase terminée. Dernière phase terminée aussi. Il vient récupérer de sa vie. Il explose. Oh, c'est quoi ce mec? Really? C'était ça le boss final? C'est pas fini hein. Tu vois pas? Moi il a bugué, il est mort. Non, il est pas mort là. Moi il a bugué, il est mort. Là il est vivant hein. Moi il a explosé. Ah mais c'est... Il s'est transformé là. Bon, moi il s'est transformé en gros truc noir mais il a explosé. Ah d'accord. Bah donc quitte la zone, tu veux pas prendre des free dégâts? Ah non mais moi je prends pas de dégâts. Hein. Bon, moi je prends des dégâts, je te voyais prendre des dégâts. Je suis parti là. Ah là t'es... Ouais t'es parti. Si t'as des kits de soins, je te dirai quand les utiliser. J'ai rien. Oh, c'est vrai merde. C'est impossible, hein. Clairement. Bon, moi j'ai eu le succès héros mondial. Hein. Bah, la preuve que c'est pas fini parce que la mission n'est pas finie. Oui, la mission n'est pas finie, mais. Tu sais, j'étais là, j'étais. Attends, t'es sérieux? Et puis là, bah. Ça n'a pas fini. Est-ce que ça lui fait des dégâts? Non. On va la relancer après, t'inquiète. On va la relancer. On lance la mission d'un bug. Ah mais le bug total. Du coup, le C est... Hey, attends, succès. Je vais tout en bas. Héros mondial. Contre le dernier boss. What the fuck? Non mais il est méga chaud la dernière phase, elle est méga chaude. T'as intérêt à prendre tes soins, mec. Clairement. Ouais. Bon bah... Allez, Nile. Bon bah ça c'était le bug le plus impressionnant au monde. Vous voyez, moi j'ai des bugs, mais tu sais, ils me favorisent. Là j'ai plus de musique. Normal, y a pas de musique ici. Ah, y a du string, allez arranger tout ça. Fou lui. Tu t'es cru dans Street Fighter, c'est ça? What?
Là, il a changé de forme. Là, il va changer de forme, là. Et il a failli exploser. Là, il change de forme. Voilà le boss. Complètement hard. Il est encore bugué chez moi, je crois. Il a explosé ? Je sais pas, j'arrive pas à le toucher. Si, si, je touche. Ah bon ? Non. Là, bah si, là, t'es en train de taper les... Ouais, celle-là, je peux les taper. Ouais, mais là, il faut... faut attendre que qu'il ouvre ses mains. Et taper son cœur. Je sais pas comment on peut esquiver ce truc. Complètement chaud. On va passer au-dessus. T'as encore des heals ou pas? Ouais, j'en ai un et deux adrénaline. Et c'est bon, il va arrêter là ou... ...76 000 de vie. C'est bon, j'ai compris comment l'esquiver. Comment on l'esquive? Bah, il faut regarder comment il monte en fait. Là, là c'est bon, esquiver. Ensuite, regarde, tu vas voir. Faut aller du côté où il est, en dessous de lui en fait. Là. Là, c'est l'inverse. Ah ouais. Il fait des 8. Ouais. Là, là, là par contre j'ai fail. Là. Moi je l'ai. Moi j'ai pas fail, c'est bon. En fait faut le suivre. ...51 000. Merde, fail. Au milieu. 34 000. Fallait le taper là. Hop. Là il va aller être au milieu. Presque mort. Je lui fais pas de dégâts donc c'est mort. Là c'est bon, il va mourir. Non mais pour moi c'est mort quoi. Ah ouais. C'est faire des dégâts c'est mort. Héros mondial. Sans... Volta. Ah, sans un pur pour ma part. Là il a explosé. Sans un pur, céramique plus, titane plus. Titane plus, céramique plus, adamantine. Adamantite. Ça, c'est ça que tu voulais. Félicitations, Kings. Vos actions ont gardé le monde en sécurité. Communication entrante. Code sécurité Omega. Du bon travail, Tusker. Mais votre mission sur Mandragora n'est pas encore terminée. Quelle est la suite? Votre mission était d'empêcher la formule et le projet de tomber entre en main ennemie. Tout doit être sous notre contrôle. Vous aviez raison au sujet de l'arche de Samsara et ses énergies. La détruire pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Nous pourrons siphonner son énergie et la vendre au plus souffrant. Monsieur, l'arche doit être ramenée au peuple du temple, elle revient. Je suis sûr que vous serez capable de les convaincre du contraire. Nous sommes au courant pour les créatures Mandrake. Le projet fut créé pour augmenter des soldats et agents de la compagnie et non mettre au monde une nouvelle race. Vous devez disposer de cette nouvelle faune sauvage créée par le projet. Bien sûr, nous sommes tristes d'annoncer que cela implique aussi les Kings. Vous ne pouvez pas être sérieux! Ils ont sauvé le monde et votre projet en entier. Ils ont été tués pour ça et en sont revenus. C'est dommage, mais nous ne pouvons avoir des âmes vivantes en liberté ainsi. Leur existence met la compagnie en péril, en danger. Je ne trahirai jamais les Kings. Pas pour tout le café du monde. Vous n'êtes qu'une fausse sceptique humaine. Tusker, soyez raisonnable. Vous pouvez mourir. Tusker. Tusker. Notre crédit. Oh la faune et la flore. Bon ben voilà, c'était la fin de Mercenary King. Normalement. La fin? Non. Allez, nos potes. Donc Majestic,
Royal et Raja. Royal, c'est celui avec la visière. Donc oh, c'est... des enfants Amazon. What? C'est quoi son tome? Je sais pas du tout. Ils ont repris possession de leur île. Yay! Ouais, la résistance. C'est qui cette personne à la droite? Je sais pas. On l'avait déjà rencontré. Ouais, le dernier, c'est le barbu. Et Ouais, moi je l'ai trouvé. Il est dans dossier X. Ouais. Ah, dans X-Files, plus précisément. Ouais. Non, mais c'est le vrai nom, ça. Ouais. Dossier X. Le nom français, mais c'est X-Files, ouais. Voilà, c'est la fin. Bon, ben, excellent jeu. Jean-François Majeur. Jonathan Lavigne, qui a fait un game design de taré, on est d'accord. Oh, c'est excellent. Les animations, Paul Robertson. Alors, ce mec, s'est fait chier. Ouais, y'a pas grand chose. Non. Y'a tellement de choses en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais chaque animation est tellement plus détaillée que pas mal de trucs, c'est un truc de taré. Jean Chan, sound design. Philippe Patrice Côté. Bourgeot, Madjinson Blanchet. C'est non quoi, c'est des Français. Attends, Mariko McDonald. Quoi? Mariko McDonald. Ouais. Dans les voix. Attends, y'a des voix? Oui. Ah oui, y'a des sons. Mariko McDonald quoi. Guillaume Aubé, François Aubé. Ça doit être sa famille. Raymond Brunet. Mais d'un fait. Bonodé. C'est des Français, ça c'est pas possible. Sylvain Raté. Alors, T'as les crédits ou pas? Ouais. Oui, je suis en train de les voir, mais waouh. C'est des pseudonymes, c'est pas possible. Un Mercenary King 2, un Mercenary King 2. Ah oui, totalement. Mais il était bien long, en plus. Avec enfin... avec tous les Kings, ça serait cool, ça. Pourquoi il y a Empress, on l'a jamais vu du jeu? C'est quoi ce bordel? Quoi? Il y avait Empress dans l'avion, on l'a jamais vu du jeu. What? Ah le... La niche de... D'Alpha. Avec le chapeau de baron dessus. Thanks for playing. Merci d'avoir joué. Bah c'est devenu le chien de garde du temple en fait. On va regarder si on a débloqué des choses. Ouais, rajoute-moi. Ah, j'ai même pas débloqué un nouveau rang. Normal, ça, je crois qu'il faut faire toutes les missions, ouais. Ouais, invite-moi. Je t'invite. Donc la vidéo qui aura duré une heure. Hein. Une petite vidéo spéciale. Ouais, il reste plus qu'une seule. Enfin, on fera la dernière mission, on l'a trouvé, les 16 otages. Ouais, et aussi ma dernière mission. Hein. Il me faut un organe ineffable, bordel. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles armes? Non. Bon ben, donc nous allons nous arrêter là. J'espère que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne pour le suivre pour les autres let's play. Peut-être d'autres let's play multi ou des let's play solo, on verra bien. Donc c'était The Dead, prochain team LHD, toujours en compagnie de Demix. Allez, maintenant on va faire un Battle Black Theater. Bah non, on va finir ça déjà, l'émission. On va finir l'émission déjà, et après on fera ça. Et il manque quand même des ennemis, hein. Il manque 4 ennemis. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, et bien, je vous dis.